Konnichiwa, Gannen Kardas et Massa, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé tous de très bonnes fêtes de Noël. Donc nous allons nous retrouver pour un petit guide hebdomadaire de Xur, où est-il et que vont-il. Mais avant cela, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps et qui se sont abonnées à la chaîne pour la soutenir. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis très heureux de vous annoncer que la chaîne a passé son premier cap important puisqu'elle a dépassé les 100 abonnés le week-end dernier. Donc je tenais encore à vous remercier tous les abonnés de cette chaîne. Donc nous allons nous retrouver pour le petit guide hebdomadaire de Xur et pour ça cette semaine nous allons nous retrouver à la tour. Donc nous y allons de ce pas et le temps d'arriver sur place et nous voyons ce qu'il a de beau à nous vendre. Voilà, nous sommes arrivés à la tour et donc nous allons aller voir Xur. Et pour rappel, Xur donc sera présent aujourd'hui 25 décembre jusqu'au 18h, pardon, jusqu'au 29 décembre, c'est-à-dire mardi prochain 18h. Nous sommes de tout cœur avec vous. Que mon chasseur aura enfin son casque du regard nocturne, j'y crois pas trop. Ok, voyons ce qu'il nous prépare. Voici ce que vous propose, pardon. Ah, un sniper lourd, le Darcy, très bon fusil de snipe lourd, hein, je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas. Donc pour le chasseur, nous avons le 6ème Coyote avec des très bonnes perks, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, pardon. Un total global de 64, mais surtout 22 en force et 18 en récupération, un torse que je vous conseille avec ces perks à prendre absolument. Hein. Je pense que vous aurez pas, vous serez pas déçu, sauf si bien sûr vous avez mieux dans votre inventaire. Hein. Pour le titan, nous avons la veillée de cendres qui sont les bras du titan qui permettent d'avoir une grenade de fusion améliorée. Avec des perks globales de 64, par contre une répartition un petit peu différente, mais nous avons quand même une répartition de 18 en récupération, 14 en intelligence et 16 en force. On aurait préféré que ce soit force ou intelligence qui est un peu plus. Mais là l'avantage éventuellement c'est que vous pouvez garder pardon, les 18 de récupération, mais accentuer de 10 soit l'intelligence soit la force. Mais de toute façon, avec de telles stats, je vous le recommande également, sauf si vous avez mieux dans votre collection. Après, pour l'arcaniste, nous avons des bras, les bracelets de Karstein, qui sont de très bons bras exotiques. Par contre, bah, comme vous pouvez le voir, les stats globales à 60 sont un petit peu faibles, d'autant qu'on n'a que de la résistance à 14 et de l'intelligence à 14 qui se détache un peu des autres perks. Donc, bon, si vous n'avez pas mis en collection, vous le prenez. Par contre, contrairement aux deux autres exotiques, je vous les conseille un peu moins. Donc bien sûr, vous avez toujours l'engramme prédestiné à prendre, qui pour rappel vous permet d'avoir un exotique, hein, que ce soit une arme ou une armure que vous n'avez pas encore. Donc je vous conseille vivement de le prendre sur un de vos persos, par exemple, qui n'a pas la totalité de ses armures, si vous voulez avoir des équipements d'armure. Ou autrement, vous le prenez sur le perso sur lequel vous avez toutes les armures mais qui vous manque quelques armes exotiques, et dans ces cas-là vous avez des chances de les avoir. Et pour finir, nous avons donc l'engramme, le cryptage exotique, hein, comme vous savez, qui vous permet d'avoir soit un engramme prédestiné en plus, donc vous pouvez le prendre après celui-ci, dans la mesure où vous avez donc réalisé la quête complète, ou soit ça vous permet également de pouvoir acheter une arme au niveau du kiosque des armes exotiques. Ça vous permet d'avoir une arme exotique des anciennes quêtes que vous n'auriez pas pu faire. Donc voilà pour cette revue, ce petit guide de où est Xur et que vont-il, donc en ce vendredi 25 décembre, donc 18h jusqu'au mardi 29 décembre 18h. Donc pour rappel, vous avez le sniper, très bon snipe qui est à prendre si vous ne l'avez pas. Donc le 6ème coyote et puis la veillée des cendres pour le titan. Donc 6ème coyote pour le chasseur et veillée des cendres pour le titan. Je vous les conseille tous les deux. Hein. Les stats sont vraiment très bonnes, même si elles sont un petit peu moins bonnes au niveau de la répartition que le 6ème coyote. Mais
Dans l'ensemble, c'est quand même bon. Les Bratskarsten, si vous avez pas mieux, vous les prenez. Par contre, on aurait aimé avoir des stats un peu supérieures, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour la petite revue pour cette semaine. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, ou dans le pire des cas, vous le savez, la semaine prochaine, pour un nouveau guide et une nouvelle revue d'Oxur. Et sur ce, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Et gardien, gardienne, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.